Hello, amis vapoteurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec test de nouveaux liquides aujourd'hui avec la marque américaine Helios Vapor avec le Gold. Le voici, le voilà, le Gold. Joli flacon en 15 ml avec bouchon pipette, c'est du 50-50, hein, marque américaine oblige. En 12 mg, on peut voir une météorite, enfin, surtout les flacons d'Helios, de toute façon, il y a une météorite en théorie. Avec une couleur que moi je vois, je sais pas si vous aurez le même retour que moi, mais en tout cas moi je la vois un petit peu vert jaunâtre, on va dire, un vert très clair. Voilà. Donc l'Helios Gold en fait c'est un liquide fruité, fruit d'été on va dire, un panier de fruits comme ça mélangé. Super bien pour l'été, hein, ça nous rappelle justement cette belle saison. Donc on va tout de suite le tester sur le dripper toujours. Comme d'habitude, vous le savez, d'abord vapeur, hit et goût. Donc on va voir un petit peu comment il se comporte en vape. C'est parti. Volume de vapeur, c'est du 50-50. Bonne vapeur. Là-dessus, pas de souci. Hit. Alors, au niveau du hit, on se perd dans la vapeur. Au niveau du hit, on a un bon hit, pas trop fort, pas trop faible. Bien. Peut-être un petit peu en déca du 12 mg classique, qu'on peut avoir sur d'autres liquides. Là, on est juste un petit peu en dessous, mais on a un hit quand même qui est bien présent, milieu de gorge. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, vous ne serez pas du tout en manque. Maintenant, au niveau du goût. Alors là, je le vape à 12,5 watts, c'est du fruit, hein, exprès, pour éviter de dénaturer un petit peu le goût. D'emblée, c'est fruité, effectivement. De toute façon, je l'avais déjà goûté, hein, comme tous les liquides que je teste. Donc c'est fruité, mais c'est fruité. Comment dire ça? On sent que c'est un mélange. On sent que c'est vraiment un mélange, mais définir quel type de fruit il y a dedans, ça, ce serait très difficile. Moi, j'ai des notes de pomme. Donc c'est pas forcément un fruit d'été à la base. J'ai des notes de pomme. Et j'ai un petit côté aussi acidulé qui ressort. C'est un mélange de fruits, mais plutôt acidulé, gourmand. Légèrement sucré, pas trop. Je vais revaper pour essayer de voir s'il y a des nuances qui pourraient ressurgir. Tout cas, ça a du goût, ça c'est sûr. Alors, acidulé, ça c'est ce qui ressort. Direct, on sent vraiment un fruit. On sent un mélange de fruits plutôt, mais avec une touche acidulée. On n'est pas vraiment sur un fruit 100% type VDLV, quoi. Ça fait naturel, mais il y a cette petite touche, certainement un additif qui donne ce côté acidulé. Donc on a ce côté vraiment acidulé qui ressort. On sent aussi ce sucre. Mais qui n'est pas un sucre écœurant. Ça n'étouffe pas le liquide, au contraire. C'est un sucre qui harmonise, on va dire, les arômes. Et au niveau des fruits, comme je vous l'ai dit, je sens des notes de pomme, éventuellement des notes d'ananas. Mais c'est éventuellement parce que les fruits sont tellement mélangés. Comme ça, je dirais qu'il y en a à peu près peut-être 5-6 mélangés. Il y a des notes de pomme, des notes ouais, d'ananas, des notes éventuellement d'agrumes, de citron, parce qu'il y a un petit côté justement acide, mais je me demande si c'est pas plutôt l'additif qui fait ça, mais je pense qu'il y a quand même des notes de citron, donc c'est très bon, c'est très gourmand, c'est pas rafraîchissant dans le sens où il y a un petit effet menthol, non, il n'y a pas du tout d'effet menthol ou d'effet rafraîchissant sur la gorge, mais il y a quand même ce côté rafraîchissant malgré tout, du fait que c'est des fruits quoi, donc on a juste l'impression de mettre la tête dans un panier de fruits avec le petit côté gourmand, sucré, acidulé, qui est plutôt plaisant, donc c'est franchement une bonne surprise pour moi. Parce que bon, j'ai goûté pas mal de fruités, notamment des marques françaises. Donc souvent sur du monoarôme. Et là, on est sur un mélange de fruits. Et ça, c'était la première fois que je goûtais vraiment un mélange de fruits.
Et je suis plutôt étonné du mélange parce que je le trouve équilibré. Alors c'est vrai qu'après définir, je vous mets au défi d'ailleurs de définir quel type de fruit, vous allez avoir certainement des notes de ci, des notes de ça, mais définir précisément quel fruit il y a dedans, c'est très difficile parce que le mélange justement est, bah, c'est un mélange donc tout simplement très difficile. Il n'y a pas de fruit qui dépasse l'autre ou ainsi de suite. C'est pour ça que les notes sont très difficiles à définir. Donc voilà, très bon liquide, le Helios Vapor. Je vous remonte le flacon rapidement. Voilà. Très bon liquide, voilà. Rien de plus à ajouter. Si vous aimez les fruits, si vous êtes en été au bord de la plage, en train de vous faire bronzer, c'est le genre de liquide qui peut être sympa. Et même en all day, parce que justement, il n'est pas écœurant, il n'est pas trop sucré. Donc, ça peut être justement un liquide aussi pour vaper all day, surtout si vous avez une préférence pour les fruits. Donc voilà, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et bah, sur ce, portez-vous bien. Salut, salut.